Rebonjour. Cette vidéo fait suite à la précédente. Nous sommes avec les élèves du Conservatoire de Nice qui sont scolarisés en formation musicale niveau 11. Cette semaine, nous travaillons une chanson dans le cahier Chansons Enchantées. C'est la numéro 4, je vous le rappelle, le ballon voyageur. Alors, nous allons travailler la justesse des notes après avoir, dans une première vidéo, parlé de la pulsation, comment l'écrire, de deux nouveaux éléments, je vous le rappelle, la demi-pause qui vaut deux temps, et le point d'orgue qui prolonge la note aussi longtemps que vous le souhaitez. Alors, donc, dans cette chanson, nous allons d'abord écouter le violon qui va nous jouer le refrain. Écoutez bien. Ça, c'est le caractère, la vitesse et la justesse des notes. Maintenant, je vous chante la première phrase avec les paroles. Partir en ballon autour du monde, en ballon voyageur, découvrir l'équateur. Donc, attention à la justesse de la fin, je vous joue ça lentement pour que vous entendiez bien le violon. Écoutez, hein, je me déplace un peu, que vous voyez bien. Écoutez bien, vraiment à la fin. Hein, je vous le joue au piano. Découvrir l'équateur. Découvrir l'équateur. Je vous rechante cette phrase. Partir en ballon autour du monde, en ballon voyageur, découvrir l'équateur. D'accord? Faites attention à la fin de cette première phrase. Ensuite, partir en ballon au bout du monde, en ballon fantastique, sillonner les tropiques. Donc là, rien de difficile pour la justesse. Je vous le rejoue. Ensuite, vous avez le couplet. Alors, écoutez-les bien. Avec le point d'orgue. Je voudrais voyager. Vraiment la même note. Je voudrais voyager. Avec, après, on parlera de la pulsation, mais hein, vraiment la même note, les enfants. Hein. Ensuite, on va sur le mi. Enfin m'envoler parmi les oiseaux. Donc chaque fois, vous avez remarqué, il y a trois étapes avec la même note. Je voudrais voyager, enfin m'envoler parmi les oiseaux. Et la fin du couplet, ça fait ça. Je planerai là-haut. Vous avez compris ? Alors, je vous joue toutes ces petites phrases du couplet avec mon violon. La première, ensuite. La deuxième. Troisième. Et enfin, quand cela change un peu. OK ? Donc, mettez bien en place les paroles et la justesse. On va faire une deuxième vidéo où nous allons parler de pulsation tout en chantant, bien sûr.